notre belle planète bleue est devenue trop exiguë. L'homme aspire à de grands projets d'envergure spatiale, l'exploration du cosmos, de l'univers et des objets célestes du système solaire. Pour certains, ce ne sont que de folles ambitions. Pour d'autres, des objectifs qu'il faut atteindre coûte que coûte. Apollo 11 fut la troisième mission habitée à s'approcher de la Lune. Le 20 juillet 1969, pour la première fois, des hommes ont foulé le sol lunaire. Ce soir, nous allons vous révéler le véritable but de toutes ces recherches et investigations. À quoi servent réellement les programmes de la NASA? Ce sont des expérimentations pour mener à bien le projet ultime UM3BD, l'Ultrasonic Mission 3, belle découverte. Comme pour Apollo, tous les regards se portent sur cette troisième mission. Un nouvel équipage d'experts soniques a été sélectionné. Aurel Armstrong, commandant de la mission. Hugo Buzz l'éclair, pilote du module. Glenn Collins, pilote du module interne de commande des Zinzins de l'espace. Les trois musiques cosmonautes s'apprêtent à décoller à bord du vaisseau spatial guidé depuis la base avancée galactique extrasolaire Bagé. Voici une autre version de la conquête de l'espace. Thank you.
UM3BD. UM3BD, vous me recevez? À vous. UM3BD, la communication est mauvaise. Faites un rapport dès que possible. Bagier à UM3BD, terminé. Il consiste à rompre tout lien avec la navette, quitte à mettre en péril la mission et par là même
la vie de ses occupants. Le service de sécurité a verrouillé toutes les portes de la salle de commande. Les ingénieurs se retrouvent confinés et tentent de garder leur sang-froid. Les pirates, sous le nom de Rolling Spock, revendiquent l'exclusivité sonore de leur groupe. Bien connus des services secrets pour leurs coups d'éclat dans le passé, ils pourraient anéantir l'une des plus importantes découvertes de l'humanité. Thank you.
alerté, l'équipage du vaisseau, ne recevant plus de nouvelles de la base Bagé, se retrouve livré à lui-même. Nos trois musicosmonautes, un peu à l'étroit dans leur navette, décident à l'unanimité de s'offrir une sortie dans l'espace. L'ivresse du vide sidéral les transporte. Subjugués par la beauté des étoiles, ils découvrent une sensation de liberté infinie. Le rayonnement d'une supernova blouse illumine ce ballet spatial improvisé qui évolue au gré des vents solaires. Thank you.
Ça y est, on vous reçoit 5 sur 5. Nous avons frôlé la catastrophe. Ce n'était pas un trou noir, mais un passage vers une autre dimension. C'est un raccourci qui nous mène droit dessus. Nous l'avons enfin trouvé. La planète est juste là, devant notre vaisseau. C'est magnifique. Une belle découverte. Je sors de la navette. Je descends les échelons. Mon pied foule le sol. À chacun de mes pas, une onde sonore s'en échappe. C'est extraordinaire. Comme nous l'espérions, la musique émane de cette planète. Planète qui ressemble étrangement à la Terre. L'environnement est multicolore et sonore. J'analyse l'air. Pour l'humanité.
Thank you.
Lorsque vous regarderez le ciel et ses myriades d'étoiles, n'oubliez pas d'écouter attentivement. Et oui, je vous l'assure, vous entendrez une lointaine musique qui, je l'espère, vous invitera au sommeil. Bye.
Thank you.